Salut les enfants! Alors, aujourd'hui, on attaque les fondations entre les plots, entre les pneus là. Du coup, tu commences par faire une semelle. Tu vois, tu fais une petite épaisseur, tu vois, faut quand même qu'il y ait une épaisseur pour que ça puisse bien se sceller. Ensuite, là, on fait un muret en brique, tu vois, comme à côté là. Regarde, 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 regarde. Et après, on enduit tout. Comme ça, ça se tient bien. Du coup, pour faire ta maçonnerie, il faut toujours que tu humidifies tes briques. Alors, tu vois, les briques, quand tu les mets dans l'eau, ça fait des bulles. Tu peux l'utiliser à partir du moment où elle arrête de faire des bulles. Ça veut dire qu'elle est gorgée d'eau. Donc, à partir de là, tu peux l'utiliser en maçonnerie. Si c'est sec, ça va se déceler, ça ne tiendra pas, ça ne va pas être cool. Donc, voilà, on commence par ça. Tu vois, on se fait une ligne comme ça. Tu enfonces légèrement ta brique. Tu l'inclines bien, hein, de façon à ce que ça fasse un muret bien droit. Et puis, tu les enchaînes. Vas-y, viens, 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 viens. Là, tu laisses un espace. Ça vise l'autonomie sur la construction des énergies, sur la nourriture aussi. Les enfants de la terre, ouais, c'est par ici. On va resserrer un peu parce que c'est de la place pour la dernière. Vous pouvez nous rejoindre en Normandie, être de la partie. Alors, tu vois, après. Tu viens faire tes joints de briques. Ouais, tu viens sceller tout le monde. Tu vérifies que tout soit bien droit. Ok. Là, du coup, tu viens en mettre là où tu as tes joints. Et tu viens tasser. Ça vise l'autonomie sur la construction des énergies, sur la nourriture aussi. Les enfants de la terre, ouais, c'est par ici. Ça vise l'autonomie. Ok, alors après, tu vois, une fois que tu as fait ta première ligne, hop, tu viens prendre le bachot. Et là, l'idée, c'est d'avoir une épaisseur de 1 cm, 1,5 cm. C'est plutôt pas mal, ça. Ça vise l'autonomie sur la construction. Ça paraît pas mal. Du coup, on vérifie avec le niveau. Tu nettoies toujours, hein, le talon de ton niveau. Parce que si tu as une épaisseur, bah, t'es plus de niveau, tu vois. Hey, c'est pas magnifique. Viens, 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 viens. Regarde, c'est pas beau ça. Ah, il a le coup de patte, le garçon. Et il a le coup de patte. Hop, allez, c'est bon. Du coup, briques. Donc là, tu vois, les briques, les premières, on les a mises dans ce sens-là. Si on veut consolider, bah on peut les mettre aussi dans ce sens-là. Donc, tu vois, une rangée comme ça, et maintenant deux comme ça. Tic, tic. Hop, voilà une. Ça vise l'autonomie sur la construction des énergies, sur la nourriture aussi. Tu vois, pourquoi 1,5 cm? Bah parce que tu vois, tu as des briques, des fois, elles ont des défauts. Du coup, si tu fais pas assez épais, bah les deux briques, elles vont se toucher. Ça va être mal scellé et tu vas pas pouvoir vraiment la mettre de niveau. Donc c'est pour ça qu'on fait une bonne épaisseur de chaud. On dit. Ça vise l'autonomie sur la construction des énergies, sur la nourriture aussi. Les enfants de la terre, ouais, c'est par ici. Voilà, une fois bah, que ça c'est fait, bah, mène punition. Tu refais les joints. Attends, ton ligne qui n'est pas bien droite. En même temps, c'est pas très grave puisque de toute façon, ce muret-là, il se verra plus. Ça vise l'autonomie sur la construction des énergies, sur la nourriture aussi. Les enfants de la terre, ouais, c'est par ici. Ça vise l'autonomie. Jean-Charles a besoin d'aide ici. Vous pouvez nous rejoindre en Normandie, être de la partie.
tu vas me dire, ouais, il en fait tomber plein à côté, mais on s'en fout, puisque de toute façon, on va mettre de la chose jusqu'au niveau du sol. Comme ça, ça fera vraiment une grosse semelle bien étanche, bien comme il faut, tu vois. Et ben là, même punition, on recommence. Hop. J'ai besoin de chaud, les enfants. Là, c'est Louis qui l'a fait, alors c'est pas très détrait. Ah bah là, ça va traîner, hein, si c'est Louis, là. Ah, c'est Louis, là, là, là. Là. Je suis pas d'accord avec vous, mais qu'est-ce qu'elle va être bien faite. Bah, les tonnes d'amour que je fous dedans, putain. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Construction des énergies, sur la nourriture aussi. Les c'est par ici, ça vise l'autonomie. J'en sais la besoin d'ici. On va se syndicaliser. Ah, ça, c'est clair. Hein. Je suis déjà allé chercher des papiers ce matin. Il n'y a plus qu'à trouver le président du syndicat. Bah, moi. La présidente. Ok, ça va. Le syndicat des enfants de ta mère. Voilà, il y en a un qui vous pète à mon muret là, ça me va pas du tout. Regardez ça, j'ai des bras cassés. Ah, bravo, bravo les gars, bravo. Viens. Il est à chaque fois. Il est à chaque. Il est énergique aujourd'hui. Hein. T'as trouvé le bidon que je t'ai demandé? Le bidon d'huile. Merde, j'ai oublié un truc. Là, l'idée c'est d'enlever les surépaisseurs parce que ça va gêner dans les joints. Et tu vois là, la matière qu'il y a dessus, je me demande si c'est pas un mélange de chaud et de terre, parce que c'est pas chaussable ça. Ça c'est sûr. Et pourtant c'est bien solide. À mon avis, c'est de l'argile et de la chaux pour que ce soit compacté comme ça et solide comme ça. S'il y en a qui savent, hein, n'hésitez pas à nous dire ça. Ok, tu vois, c'est ce que je te disais pour l'eau tout à l'heure. Tu la mets dans l'eau et quand elle fait plus de bulles, vas-y, viens. Tu vois, regarde, quand tu mets tes briques, regarde, elles font des bulles. Tu vois? Là, elle est en train d'absorber l'eau. Du coup, tu les utilises quand elles font plus de bulles. Ça demande à peine quelques minutes. Hein. Viens, écoutez le bruit. Viens. Écoute. Approche-toi dedans pour qu'on entende bien. Attends une seconde. C'est bon. Ah, ça se voit que Will, il en a pas marre, là. Tu vois? C'est bien mélangé. Un des deux. C'est une blague ou... Non, ah non, vrai, c'est bien mélangé, mec. Ah ouais. Bah merci, alors. Il y a pas du sable dans le fond, il y a rien du tout. Hein. Ça va. C'est pour ça, c'est plus loin. Il a mis 3 heures. Ah ouais, mais le but, c'est que ce soit bien fait. Le temps, on a le temps. Ouais. Si on l'a pas, on le prend. Des deux, au bout de... Arrête. La 15e. Je l'ai vue, elle est superbe. Oui, elle est super. Elle est magnifiquement superbe. Merci beaucoup. Tu peux enchaîner sur une gâche, on n'a pas fini. Merci.
merci, Glaise. C'est bon, ça fait plus de bulles, on y va. Super. Tchac. Là, wow. T'es souillé. Hop, alors, il va falloir faire un peu de place. Ouais, encore un peu de place. Voilà. Et t'as compris, hein? On fait la même chose maintenant. On fait les joints. Ça vise l'autonomie sur la construction des énergies. Sur la nourriture aussi, les enfants de la terre, ouais, c'est par ici. Ça vise l'autonomie, Jean-Charles a besoin d'aide ici. Vous pouvez nous rejoindre en Normandie, être de la partie. Sur la construction des énergies, sur la nourriture aussi, les enfants de la terre. C'est bizarre, ça sentait pas le fumier de la journée. Will vient d'arriver, ça sent le fumier. Ah non, j'ai pas lâché. T'as pas lâché? Non. Ah, là, c'est peut-être la laine, peut-être. L'autonomie sur la construction des énergies, sur la nourriture aussi, les enfants de la terre, ouais, c'est par ici. Ça vise l'autonomie, Jean-Charles a besoin d'aide ici. Vous pouvez nous rejoindre en Normandie, être de la partie. Ah, tu vas me dire, ah, les briques elles font pas la même taille. On s'en fout, puisque de toute façon on va combler les joints, tu vois. Donc puis, ça se verra plus, il y aura du bois par-dessus. On s'en fout. Ça vise l'autonomie sur la construction des énergies, sur la nourriture. Ça manque de câlin. Ne va pas foutre tes pieds sur les fondations, toi. Il y en a déjà un qui a tapé dedans tout à l'heure. Ça suffit. Là. Ok, donc là, on est pas mal du tout. Alors l'idée maintenant, tiens, viens. Tu vois, on va compléter la semelle là. Donc là, on va faire une grosse dose de chaud. Hop. Ça vise l'autonomie sur la construction des énergies. Sur la nourriture aussi, les enfants de la terre, ouais, c'est par ici. Ça vise l'autonomie, Jean-Charles a besoin d'aide ici. Vous pouvez nous rejoindre en Normandie, être de la partie. Tu vois, là, je fais ça, c'est pour bien que ça s'enfonce. Fait remonter la laitance, et ça s'isse bien. Surtout que ça fasse pas de trou, tu vois. Bah vas-y, prends la bagnole, dégage, je vais chercher tes. Ils sont tendus. Aïe, connard. Non mais c'est fini là, c'est quoi ce chantier? Qu'est-ce que vous foutez, bande de nazes? Vous prendre la tête là, j'ai pas tes briques, toi. Je sais, elle m'embête. T'as pas de force, là. Qu'est-ce que tu fous? Allez, gratte, merde. On t'a pas demandé d'affûter la hachette. On t'a dit gratter les briques. Ah, je crois que c'était une carte. Ah ouais? Mais n'empêche que touche, si t'es dans le bon angle, je vais te dire que c'est l'affûte, mon gars. Oh, là, elle est vachement faite. Hein. Ah bah, elle coupe vachement mieux qu'avant. Ah ouais? Après, faut la mettre dans le bon angle, mais ouais. C'est l'affûte bien. Hein. T'as besoin de briques, là? Bah, non, là, j'ai besoin de chaud. Un des deux, j'ai besoin de chaud là. D2, R2, il est pas très speed D2, hein. Il va pas vite, hein. Il va pas vite en ce moment. Ah ouais, bon, bah, je vais fumer une clope, moi. Ah, moi aussi, je vais faire avec toi. Allez, arrête tes conneries, fais-moi cette putain de chaud, merde.
On va pas y arriver, les gars, on va pas y arriver. Là, tiens, viens voir, montrer comment on lisse. Tu vois, c'est pas compliqué. Une fois à la fin, tu vois, il faut essayer de resserrer l'enduit. Il faut que tu resserres l'enduit tout simplement parce que sinon, il va pas être assez étanche. Tu vois, il risque de se décomposer. Donc nous, on prend des petites cuillères. Tu vois, toute la serre torchée, on a tout fait à la petite cuillère. C'est plus pratique pour le contour des bouteilles. Parce que sinon, avec une truelle, tu passes pas entre les bouteilles. Donc on a pris l'habitude de faire ça à la petite cuillère. Ça vise l'autonomie sur la construction des énergies. Sur la nourriture aussi. Les enfants de la terre, ouais, c'est par ici. Ça vise l'autonomie. Jean-Charles a besoin d'aide ici. Alors tu vois, pour faire ça, il faut que ton enduit ait commencé à tirer un peu. Quand on dit tirer, ça veut dire qu'il a commencé à sécher un petit peu. Si c'est trop humide, tu vas faire tout tomber, tu vois. Donc il faut attendre 20 minutes, une demi-heure, peut-être une petite heure, de façon à ce que ça tire un petit peu. Si tu pouvais éviter de me couper la parole quand pardon, je suis en vidéo. Oh pardon, excusez-moi, j'avais pas fait attention. Mais en même temps, la lumière rouge, elle s'allume plus quand ça... Ah ouais, mais je sais, mais on l'avait dit, il fallait changer la LED. Bah ouais, putain, merde. C'est des deux qui se tentent. Ça vise l'autonomie sur la construction des énergies. Sur la... Une semaine. Une semaine, ouais. Bah, c'est déjà passé. Non. Le temps n'existe pas ici. Maman, elle existe par contre. Pourquoi? Je viens de la riper. Oui. Et tu fais n'importe quoi. C'est toi qui fais n'importe quoi. Pourquoi tu ne m'occupes pas ce truc? Fatigué, toi. Il y a de la fatigue. Travailler, c'est trop dur. On travaille pas ici, on s'amuse. Ça n'a rien à voir. Et puis c'est que du bonheur. Alors merde. T'as pour la peine, t'as chaud. Racle. Ah, ça fait mal. Aïe. Allez. C'est bon, c'est fait. Alors, une fois que tu as fait la semaine là, eh ben l'idée, comme à côté, tu viens combler toutes les briques et les joints. Tu commences par le bas et tu montes progressivement. Ça vise l'autonomie sur la construction des énergies. Sur la nourriture aussi, les enfants de la terre, ouais, c'est par ici. Ça vise l'autonomie, Jean-Charles a besoin d'aide ici. Vous pouvez nous rejoindre en Normandie, être de la partie. Sur la construction des énergies, sur la nourriture aussi, les enfants de la terre. Ok, et eh ben voilà, on a bien bossé aujourd'hui. Fais quoi, Noah? Bah là, je. Avec la cuillère, j'en ai. Ouais, petit truc pour lisser. Yes, cool, mec. Tu lisses l'enduit, ça c'est bon, ça. C'est un peu long hein, comme truc, mais bon. Ça va, c'était une bonne journée? C'était une très bonne journée. On était une super équipe, je crois. Je suis fier de toi, fils. Je suis fier de toi, mec. Ça va, Louis? Yeah, man. C'était une bonne journée ou quoi? Nickel. Elle était bonne, l'équipe, là. Hein. Bien bossé. Ouais, grave. Belle entente, un bon boulot. Mmh. T'as pensé au bidon? Ouais, bah ouais, bidon de Louis. Ouais, voilà, c'est cool, yeah, mec. Man. Ça va, vas-y, mollo, parce que tu vois, là, on voit qu'il est encore trop liquide. Ouais, il est vas-y, tranquille. Il est vachement attendu. On va attendre un peu pour le finir, ouais. Celui-là. On va aller boire une bière. Non, pas moi, je bois pas. Ah ouais, c'est vrai. Et ben voilà, on a fait celle-ci, celle-là, ainsi que celle-ci. Hop, tchac, il nous reste celle-là.
Et on a la grande ligne d'entrée. Eh ben ça, c'était une très bonne journée. On a un super crew aujourd'hui, une super équipe. Et ça, c'était vraiment du kiff. Salut les enfants. Ça vise l'autonomie sur la construction des énergies, sur la nourriture aussi. Les enfants de la terre, ouais, c'est par ici. Ça vise l'autonomie. Jean-Charles a besoin d'aide ici. Vous pouvez nous rejoindre en Normandie, être de la partie.